les anciens de Bethel, parce que le passé de Moïse n'est pas sur place, pour écouter, parce qu'il est écrit ceci. N'écoutez jamais l'accusation contre un ancien, si ce n'est que sur des positions de Dieu ou de Dieu. Alors ici, nous nous retrouvons dans une situation où il y a plusieurs témoins, nous les retrouvons. C'est plusieurs témoins là à la fois. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pourquoi nous demandons. Je suis venu, j'ai accepté d'être là pour supplier les collectifs, supplier et la famille, dire, donnez-nous des jours. La journée d'aujourd'hui, et le jour de jeudi et le vendredi. Parce que le samedi, à partir de 12h, je pense que tout le monde fait déjà dégager. On se rend compte au quartier général de la mer de l'internet, là où se trouve le président et le général. Le président du conseil des sages, c'est notre structure qui est chargée de la discipline, de l'audit et des règlements des conflits. Moi-même, en tant que spectateur, j'ai déjà suffisamment de preuves. Le président va avoir le rapport et l'église peut-être va demander carrément au pasteur Moïse de suspendre ses prédications. Et même le président de Michel peut demander au Michel Moïse de suspendre ses prestations de telle sorte qu'on règle d'abord ce qui a arrivé. Ça, c'est ce que je vous demande. Je vous demande à vous, mais pour moi, tout le monde, que le président de l'Église de Mec a pris en charge le dossier. Vous demandez au collectif, c'est leur droit. Parce que même quand vous allez vraiment, on peut dire, arrangez-vous à l'amiable. Mais et quand il y a une démarche, ça fait souvent qu'il faut se le peindre parce que nous ne sommes pas dans le pénal. Je pense que. C'est dans le pénal, pasteur. Oui. C'est dans le pénal. L'action publique est déjà déclenchée. Elle est déjà déclenchée. Oui. Bon, c'est le ministère public qui va bouger. C'est pas grave. Je voudrais vous demander de nous comprendre, je demande aux politiques, de nous donner des jours. Ça veut dire la journée de vendredi et le jour de jeudi et de vendredi. Non, quel est votre intérêt dedans? L'éclaircissement, c'est ce que nous voulons. Bon, je pense que ce n'était pas un échange. J'étais en train de répondre à une question. Je vous dis que l'Église du Réveil est supposée être officiellement saisie aujourd'hui parce que l'affaire n'était pas encore arrivée au président et que dès cet instant que je me suis présenté devant vous, donner la possibilité à l'Église du Réveil de rencontrer la population des collègues de l'Église et de la famille de l'Église. Je me présente au nom de Philippe Domingos. Je suis là pour Peignet TV et mon centre TV. Question après les aéros. Alina Douna. Dans son cas, la sœur Eliane, la deuxième ou la douzième apôtre, la deuxième ou la treizième apôtre à la tête du Bible, de Totouna, à Bamé, Bafine, Bana, Bana, déjà, donné. Voilà la question. Question de Bana, Isaac. Pourquoi Fanda Kalawana, le pasteur Sony, n'avait pas cherché un moyen de résoudre ça? Donc, il était là-bas qui n'ont été les Cabois. Et tel est le lieu à quoi le petit bar de Sombre et comme le roi Bacuse. Et pour question qui se faisait, quelle sera la vie de ces jeunes après en Cabo Union se voulait? Est-ce qu'on se met à l'église si c'est peut-être tôt à Otika? C'était ça ma question. Mais une dernière question. Bonjour Ben. Bonjour Eliane. Procès pour vous. On a voulu un mot procès. Excusez-moi d'être là. Employé un terme assez réducteur, a bien un mot fait tant. Et bon, on les a beaucoup. Comité épisodique, on les a cadavres. Je vous dis honnêtement, posez là-bas l'image. Pour tout ça, m'a éclairci. Je me suis rendu compte de plusieurs choses. Il y a deux choses, on doit retenir ça. Il fallait les tribunaux, les pères, les parents. Maman,
maman, ma chrétienne, qui va tout ça, on va tout faire. Dans ton guide, tout pour nous, avec des ministères bibliques qui est très regardant, qui nous apprend rien à propos du droit. Dans les lois, vous avez dit que vous savez comment on appelle. Vous retirez plainte. Les ministères publics vont continuer. C'est-à-dire, tout le cas, tout le débat général, ce n'est qu'à foutre de son décennie. Et les lois, vous savez, vous avez besoin de vous comprendre. Vous voyez, ça fait avec le trois quarts d'heure d'avoir du bouillon. À un moment donné, je me suis dit, ça ne dépend plus. Et de vous. Et comme il y a un groupe, vous verrez là, il y a un verre. Il y a un groupe. Vous vivez cette sur ma image. Si vous ne le savez pas, le pasteur Moïse, à son dénil, quoi, à son dénil, ma femme Yabadou, il guérit. Les gens ne cherchent pas à le clouer, mais les gens cherchent à être édifiés. Cette affaire va édifier beaucoup de gens. Si on commence à mettre des audits, mais on commence à mourir. À un moment donné, on commence à se fatiguer. Dans notre pays, on est dans la construction des aéroports, je ne sais pas, de tout ce qui est. Là, on est en train de s'attarder, excusez-moi, sur des frivolités. Et puis, nous, on est en train de s'en suivre. Allez, droit au but. Tout le monde, excusez-moi, ancien. Le moins, en gros. Écoutez, déjà, par rapport à toi, tout qui est dans la droite, dès que nous sommes ensemble. Si les pasteurs se réclinent, ok. Si les élèves sont en train de se prendre, on le fera. Parce que l'un des deux cas sous les soins, on a été comme ça. Et l'homme qui m'a dit que je serais sous les soins, il y a un peu de temps. 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 Nous avons accepté aussi cette invitation pour vous inviter
la question. Si on a la figurante, la fille est apportée dans ma vie. Puisse prendre en main cette saga à l'Hollywood.
tienne. Donc, on se retrouve peut-être prochainement. Merci à Maître Jimmy Ngalassi. Merci à vous tous les Congolais qui m'avez suivi en Afrique, en Europe, en Amérique, en Océanie, là-bas, là, en Asie. Donc, au Madagascar, je vous dis au revoir, à bientôt. Continuez je vous ai dit quoi, mon bâtiment à votre kéké, mes communications, votre kéké. Donc, on n'a plus rien à prouver, quoi. On se retrouve, Joël Kadendanga, il était là. Oui, Joël Kadendanga était là, Impact News. Bon, en résumé, c'est l'église de réveil qui demande de récupérer les dossiers devant deux jours pour mener la médiation entre la famille de Yann et l'église du pasteur Moïse Mbillé. Certainement que le juge va demander sa suspension, donc il sera sanctionné par l'église, certainement. Et l'objectif de l'église, c'est de mettre fin à ce scandale qui est en train de ternir l'image du corps de Christ. Merci, Félix. Merci beaucoup, c'était là mon grand frère, mon aîné dans la presse, Joël Kadé Ndanga, que je salue en passant. Donc toute la presse, Jeff Caleb Obdan, 7 sur 7, Nadine.